Voilà. Attendez. Ouais, c'est bon, attendez, bougez pas. Direction de la polyclinique. Comme vous le savez, l'un des problèmes, si ce n'est le plus important qu'implique ce pass sanitaire, c'est de 1, l'accès aux soins pour les patients, et de 2, l'obligation vaccinale pour les soignants. Donc il est temps, aujourd'hui, d'aller devant ces lieux de soins et de montrer notre mécontentement. Il est hors de question que demain, un Français, un citoyen, se voit refuser l'accès aux soins sous prétexte qu'il n'est pas vacciné ou qu'il n'a pas de test PCR négatif. Nous ne le permettrons pas. Et même chose pour l'obligation vaccinale des soignants. De plus en plus de soignants se retrouvent isolés dans leur service, parfois seuls. Ils subissent des pressions de leur hiérarchie, de la discrimination de leurs collègues. Et ça, c'est intolérable. Donc, il est temps que l'on se déplace devant ces lieux de soins et qu'on fasse et que l'on dise notre message haut et fort qu'on ne veut pas de ce pass sanitaire. Et il est important, parmi tous les messages que l'on souhaite passer, d'en rappeler un qui sera, et qui est d'ailleurs, le fondement de notre mouvement. Je rappelle que nous nous sommes réunis dans le même objectif, dans la même idée. Nous avons le même cap en vue. C'est-à-dire, nous sommes réunis pour le retrait du pass sanitaire et pour le retrait de l'obligation vaccinale. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si vous êtes vacciné ou non, on s'en fiche. C'est votre choix, c'est votre décision et ça ne regarde que vous. Alors n'oubliez pas, aujourd'hui, nous sommes soudés et réunis ensemble, peu importe nos différences. Notre combat, notre résistance, c'est de se soutenir et de rester soudés entre nous. Et c'est seulement comme ça que nous y arriverons. Pas de division entre nous. Si nous sommes divisés, nous tomberons. Si nous restons unis, nous vaincrons. Pour la liberté! 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 Liberté!
Il est important aussi de préciser les actions que nous menons en dehors des manifestations. Cette semaine, nous avons rencontré certains soignants dans le 89 qui sont donc opposés à l'obligation vaccinale. Donc nous avons effectué une réunion avec eux et nous leur avons apporté déjà dans un premier temps, et c'est très important pour eux, une écoute et une oreille attentive. Puisque comme vous le savez, comme je vous l'ai expliqué, ils sont isolés, parfois prêts à craquer. Et nous, il est de notre devoir d'être là pour eux, pour les soutenir, les écouter et les rassembler pour ne plus qu'ils se sentent seuls. Nous sommes là pour eux, nous sommes là pour vous et nous serons là jusqu'au bout. Jusqu'au palais de justice. Donc le palais de justice, nous le gardons. On fera un arrêt avec des prises de parole. Puis après, direction avenue Charles de Gaulle, où nous nous arrêterons. Oh,
Merci à tous. Merci à tous d'être là. Ambiance qui motive les foules, c'est ça qu'on veut. C'est plus de plus. Alors je vais donner la parole à Jacques dans quelques secondes. Je voudrais juste rappeler quelque chose qui est très très important et que je pense qu'il est vraiment important de le rappeler, même si nous l'avons déjà dit. Je vais vraiment marteler sur ce point puisque je pense, de ce que j'ai entendu, qu'il y a encore des gens qui doutent. Alors, le mouvement qui a été créé est un mouvement citoyen. Il représente le peuple. Nous ne voulons pas de parti politique, pas de syndicat, pas de groupe religieux. Ils représentent nous, les Français. Et il est important aussi de rappeler, et peut-être que quand je vais dire ça, je vais me faire des ennemis, mais je le dis ouvertement, il est important de rappeler que tous les drapeaux français que vous voyez, la Marseillaise que vous entendez, sont dans un premier temps les symboles de notre pays. Pas celui d'un parti politique qui emmerde tout le monde. Voilà. Que les choses soient claires. Un pass sanitaire avec son lot d'incohérences. Deux exemples. 50 minutes en TER, bondé, pas de passe. 62 minutes en TGV placé, passe. Je vais vous donner un scoop, je vais vous donner la liste des lieux culturels accessibles sans passe à Auxerre. Brico-dépôt, Monsieur Bricolage, Action, But. Voilà, donc là on va aller faire là-bas de la musique. On va aller danser. Je ne vais tenir ce micro encore que pendant 3 minutes 20 secondes. Nous ne changeons pas, nous sommes et restons cohérents. Face à l'incohérence en face, restons cohérents, citoyens, ensemble. En face de nous, des réponses incohérentes, arbitraires, donc destructrices de notre confiance. On ne peut pas avoir confiance. La vaccination n'est qu'un outil parmi tant d'autres pour prévenir la maladie, la soigner, la traiter sans attendre et éviter les complications. Mais les vaccinations comme une arme unique et fatale pour éradiquer le virus est une réponse incohérente. N'ayant pas l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM conditionnelle, la phase d'essai clinique, le gouvernement ne peut pas obliger la vaccination. Et il contourne cet obstacle avec le pass. Que font vraiment nos voisins européens? Je vais vous citer 6 pays. Les modèles français, dans l'ordre italien et autrichien, sont les plus drastiques. Au Danemark, salle de sport, coiffeur. Pour le pass. En Hongrie, hôpitaux, plus de 500 personnes sinon. Au Portugal, les hôtels, les salles de sport. En Irlande, uniquement l'intérieur des pubs pour boire de la bière, mais pas l'extérieur. En Espagne, ça dépend des régions. En Galice, les discothèques. Vous commencez à voir la variété des réponses. Il n'y a pas une réponse. En Allemagne, les hôtels, les cinémas. Il existe plusieurs réponses. Or, le couple Macron-Véran nous fait croire que la réponse française est la bonne et la seule valable. Qu'est-ce que nous avons gagné avec notre présence sur les trottoirs et dans nos villes depuis ces 5 semaines? Eh bien, le pass est valable 72 heures au lieu de 48 heures. C'est du grignotage, mais ça vaut le coup de grignoter. Les autotests sont autorisés. Il n'y a pas de passe pour les médecins généralistes en ville.
Mais le scoop, écoutez bien, je cite Véran, discours du 7 août. Le pass obligatoire dans les hôpitaux, mais en aucun cas, il ne doit être un frein pour accéder à des soins, écoutez bien, utiles et urgents. Alors vous allez m'expliquer pourquoi vous allez à l'hôpital si ce n'est pas utile et si ce n'est pas urgent. On peut donc tout faire. Aujourd'hui encore, nous sommes dans la rue pour nous soulever contre cette infamie fomentée par les gouvernants et les puissants de ce monde sans conscience. Ils sont froids et indifférents à l'égard de leur peuple. Ils nous méprisent. Cette loi totalement antidémocratique et antisociale démontre tellement d'incohérence qu'elle en devient autoritaire et dévastatrice de nos droits et libertés. Un passeport est réservé aux personnes qui partent à l'étranger et non pour devenir étranger en son pays. Exact. Comment peut-on expliquer que certaines castes de la société, comme le président de la République lui-même, les parlementaires et sénateurs, le premier cercle, ne soient pas vaccinés? Craindraient-ils pour leur santé? Oui, bien sûr. Comment peut-on expliquer que les restaurateurs soient tenus de contrôler la clientèle alors que les restaurants routiers en soient dispensés? Comment peut-on expliquer que M. Macron puisse imposer au personnel soignant de se faire vacciner sous peine de licenciement, alors qu'au printemps 2020, il ne disposait d'aucune protection et que certains étaient obligés de travailler alors qu'ils avaient le Covid? Comment peut-on en être arrivé à interdire l'accès à l'hôpital public et refuser d'apporter des soins aux patients non vaccinés? La semaine dernière... Une foule considérable faisait la queue devant la boutique du PSG sur les Champs-Élysées pour acheter un maillot d'un grand joueur de foot. Je voudrais que les autorités de ce pays nous expliquent pourquoi le pass n'était pas obligatoire, alors que juste à côté de cet établissement, il y a un cinéma où l'obligation était de mise. Ce que les journalistes racontent sur l'hécatombe en Martinique, alors que c'est faux, seul le matériel leur manque. Il est inutile de leur envoyer des soignants métropolitains vaccinés. Dans 3 semaines, ce sera la rentrée scolaire et je suis atterrée à l'idée de savoir que les collégiens et lycéens, nos enfants et petits-enfants pour la plupart, devront se faire injecter ce produit dangereux sous peine de se voir refuser l'accès à leur établissement. Comment des parents pourraient-ils répondre à ce destin funeste que la vie parentale ne sera pas respectée? Pas une mère serait capable de donner la vie de son enfant en échange d'un tel stratagème morbide. Cet enfant qu'elle a porté en son sein et mis au monde, la chair de sa chair, auquel elle consacre toutes ses attentions. Et pourtant, les médias annoncent d'ores et déjà que des vaccinodromes seront mis en place devant les collèges et lycées. Oh,
moins d'ateliers seraient mis en place au seul but de leur injecter ce produit de la honte. De plus, on nous avait bien dit, plus jamais ça. Oui. Avant, on se vaccinait pour lutter contre une maladie. C'était une mesure de santé publique. Aujourd'hui, nous sommes manipulés, instrumentalisés par un système médiatique mafieux au service du pouvoir. Nous vantons le bienfait de cette thérapie génique aux seules fins utiles de nous contrôler, voire même nous détruire. D'organiser au niveau mondial un plan aussi machiavélique. Oui, nous sommes en guerre, non pas contre le virus, mais contre cette politique de destruction des peuples, de ses coutumes, de ses valeurs. C'est une guerre bactériologique. Elle est là, la Troisième Guerre mondiale. La liberté, sans condition aucune, exigeons le retrait de cette loi. Mobilisons-nous pour nos enfants, ces hommes et ces femmes de demain qui assureront l'avenir de notre pays. À ce propos, je m'adresse aux pompiers, policiers qui sont en première ligne et qui savent ce qui se passe. Eux aussi ont une famille et des enfants. Qu'ils nous rejoignent. Thank you.
Thank you.
Avancez, avancez! Restez pas derrière! Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant la polyclinique Sainte-Marguerite. Polyclinique qui a récemment embauché 2 vigiles depuis maintenant 2 semaines afin d'effectuer des contrôles à l'entrée! De passe sanitaire, de test PCR, des contrôles à l'entrée d'un lieu qui prodigue des soins. C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Tout le monde, peu importe la vaccination ou non, peu importe la couleur de peau, peu importe les croyances, peu importe ses origines, tout le monde doit pouvoir accéder aux soins. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour les pointer du doigt et montrer ce que ce pass sanitaire applique. La division, la discrimination et la honte, qui est très importante, puisqu'aujourd'hui, les médias, le gouvernement utilisent l'information comme une arme. Il est temps qu'on en fasse autant. Alors, nous allons prendre l'initiative de mettre en place nos propres canaux de diffusion. Avec nos moyens, bien évidemment, mais on va se débrouiller pour que ça prenne de l'ampleur et que notre information crée une opposition à celle que nous balancent les médias tous les jours. La propagande ! Car il est temps que les gens ouvrent les yeux et se rendent compte de la vérité. Il y en a beaucoup, par souci de confort personnel, qui préfèrent ne pas se poser de questions et fermer les yeux. Mais la vérité, elle est là. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, des gens se voient refuser l'accès aux soins à cause de ce pass de la honte. Ouais ! Liberté ! Merci à tous pour tout ce qui est bouchon du cœur et pour les dons libres si vous souhaitez en faire, afin notamment de soutenir les soignants, ce sera au retour à l'Arquebuse. Merci à vous et surtout à samedi prochain, 14h. Pour l'hôpital ! Merci !